Course en cours, vous ne pouvez pas rejoindre. Très bien. Je prends note. Merci. Bah du coup on va spec hein. On est 11 du coup. Non, mais putain, mais vous êtes sérieux les gars? Mais c'est pas, je sais pas, c'est un bug. Moi j'ai la voiture. C'est étonnant hein, parce que tout à l'heure moi aussi ça m'a kick hein, donc. Ouais, ça a kick toi dessous, là ça kick moi donc. Bah et... sinon on relance, on quitte le serveur et on relance hein. Ah tu as tout reparamétré. Ah gros, c'est 20h30 bientôt. Ah j'avoue. Tant pis. Bon, en fait, la c'est la dernière fois. Terrible. Et le très très bon départ de la Mercedes. Attends. C'est qui a une voiture horrible là comme ça en vert? Mais c'est qui? En vert, tu vas te calmer? Bah oui, elle est verte, numéro 63, une Lambo. Bah c'est moi. Oh, c'est toi. Oh, et c'est encore un carnage au premier virage, incroyable. Oh, mec, oh, elle est pas belle ta voiture. Pourtant, elle est quasiment tête du championnat du monde GT, hein, mais... Exactement, c'est ce que j'allais dire. Avec un pilote encore français. Un fin connaisseur. Ah, mais mec... Oh non mais... C'est bon. Oh, putain, alors là, par contre, c'est 100% ma faute, quoi. Ah bah bien joué, T'avais qu'à la faire bleue ta voiture. Deuxième virage au moins, c'est déjà ça. Oui, il y a du progrès. Il y a du progrès, il y a déjà un peu plus de skill. Oh. Bon, moi je vais attendre un peu tout le monde là parce que j'ai pas envie de faire une course en tête. Oh là là. Oh. J'attends sur la trash comme un grand fils. Excuse-nous. Vivement l'été que tu aies ton fruit préféré à disposition. Le melon. LOL. Bon, et Moïse, t'en as pas marre d'ouvrir le peloton en deux là? C'est un tentat que t'as fait. Mais j'ai rien fait. C'est un tentat. Gros, il a freiné 100 mètres plus tard. Merde, oh putain. If you are not going for a gap that exists. Ah ouais, bah Maxou, eh, c'est pas du drift hein. Je suis pépé de cette caisse, putain. Je suis à 5 en TC, putain. Elle est intenable, ce Lambo. C'est une 4 roues motrices. Ah bah non, peut-être pas là-dessus. Ah non. En vrai, l'Audi R8 en groupe 3, ça peut être sympa niveau stabilité. Je l'ai pas encore acheté. Peut-être qu'il doit. Ah, parce que t'achètes tes voitures? Avec des crédits que j'ai gagnés en jouant. Moi, monsieur. Oh merde, aussi. Pardon, la Porsche, je suis désolé. Oh putain, je suis désolé à la Porsche. Je suis vraiment désolé. C'est Sergent? Oui. C'est non, ça. C'est Siflouze. C'est Siflouze. Ouais. Siflouze, pardon. Là, totalement vraiment désolé. Vraiment c'est désolé. Siflouze, hein, pardon. Ah, le flouze, on ne pense qu'à ça sur YouTube, c'est terrible. Ah, je suis vraiment désolé. En fait, ce qui est chiant quand t'es en vue par choc, c'est genre les côtés, je trouve qu'ils sont mal définis. C'est le jeu, hein. La faute à la manette. Par contre, freiner au bout de 200 mètres la bagnole, y'a moyen ou pas? Putain. On dirait que j'ai freiné un tambour, quoi. Bah, peut-être que t'as mal réglé ton ABS. Possible. Je vais pas te mentir, c'est possible. Oh. Allez. Non. Putain. Oh. Ah oui, non, mais t'es en PLS total. Ah non, mais en elle fait, est nulle part la Lambo là. Putain, mais fallait choisir une autre bagnole. Ah, faut dire que t'as pas eu l'occasion de beaucoup la tester sur la première course. Allez. J'avais pas celle-là. Allez. Ah bon? Non, non. Ah merde. Ah. T'as visé la mauvaise alors, du coup, pour me foutre dehors. Non, même pas. Non, j'allais dire coaching gagnant, bien joué. Coup de bluff ou coaching parfait? Voilà, donc petite balade en Lambo, hein. Alors Autopolis, charmante bourgade de... Je sais pas où. Mais, charmante bourgade japonaise. C'est vrai, japonais, Autopolis? Je sais même pas où il se trouve. Ah bah oui, si, c'est à Autopolis. Enfin, c'est là-bas que passe la Super Formula aussi. Ah putain, oui, c'est vrai. J'ai donc... découvert ça il y a pas longtemps, hein. Faut pas m'en vouloir, mais... Non, mais nos offenses, mais franchement, la Super Formula, moi, depuis qu'il y a plus l'auteur, j'ai un peu lâché. Ah bah bravo. Forcément. Ça fait quoi de rencontrer André Lotterer en vrai? Il est ultra cool. Ah bah il a l'air, hein, vu toutes les... Oh là 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 là, le spin de Sif. Il est ultra cool et surtout il est passionné parce qu'il m'a parlé pendant 2 heures de matos pour du sim racing. C'était trop sympa. Ah ouais? Ouais, non, franchement. Ah, je savais pas qu'il était à fond dedans. Bah en fait bah, il est plus ça. À fond parce que si tu avais vu l'interview que j'avais posté, tu l'aurais vu. Oui, non, je t'avoue que je suis passé vite fait dessus. Non, mais t'inquiète. Pas... Je me doute que tu ne me regardes pas, d'ailleurs plus personne ne me regarde. Oh, Moïse, 3 de front, incroyable, frein. Je n'ai pas pris les bons pneus. Ah, je suis en full wet. Non, je déconne, j'en sais rien. Ah, peut-être que ouais, peut-être pas les bons pneus, bon, peu importe, on s'en fiche. On est là pour la beauté. Peut-être que Hydro qui fait l'aspect pourra nous dire quel pneu il a pris. Eh ben, t'as des pneus jaunes. C'est quoi, c'est des médiums? C'est des... Bah écoute. Non, sauf c'est vert. Il y a marqué S dedans. Je pense pas, je sais pas. Non, sauf c'est vert, médium c'est jaune et hard c'est rouge. Tu peux te garer, tu te poses 2 secondes que j'ai le temps de... Bah mais ouais, je m'arrête, je braque les roues. Sur la voiture. Mais Michel, bouge pas, non mais je rigole.
Je m'arrête, je braque les roues, tu regardes. Connard. Connard. Ah oui. T'as les pneus jaunes. Ça déblatère déjà. Des insultes sans précédent. Attends, comment je fais pour voir dans ce live. Les pneus. Bah normalement sur le mode spec tu peux ajouter les options. Ouais mais genre j'ai les gaps. Ouais mais tu sais il est un peu débile donc faut pas lui en vouloir. Ah mais t'es sur GT6, t'as confondu. Ouais. Synchronisation en direct, voilà c'est bon. Oh là là, P3 incroyable. T'as des pneus ST. Super ah. Tendre. C'est des super tendres. Ça doit être ça. Ouais. Donc, bon, sont... Alors t'es censé aggro. T'es le seul en super tendre d'ailleurs. Ah, peut-être qu'ils sont morts en surchauffe en fait. Et tout le monde sinon est en C. C'est quoi CRT et CRD Cordialement, mais. Ouais, non, mais je me doute que le D, c'est le tendre et dur, mais le CR, je sais pas ce que c'est. Course, peut-être non. Parce que je sais pas, est-ce que c'est en français? Ah non, je sais ce que t'as. T'as des sports tendres. Ah, ah ok, des pneus de route. Et nous, on a des courses tendres et. Ah bah voilà. Ouais, parce que t'es le seul qui a pas de CRT. Okay. Et bah voilà, ouais, donc en fait t'as des pneus de route pour une voiture, de course. J'ai les Kléber de la R5 sur une incroyable magnifique. L'affichage du jeu. Tu sais que t'étais avec nous à Paris, c'était le même. Hein. Non, mais on avait genre pas pendant deux jours. Ça. Non, on avait pas tout ça, gros. Elle est frappe, frérot, la Viper. Sur les côtés, y'avait pas tout. Non, y'avait pas tout. Ah, terrible. On avait peut-être pas toutes les vues. Ouais. T'avais pas la carte circulaire et tout, c'est stylé. Carte circulaire. Mais gros, c'est trop bien, genre là, je vois que t'es bien loin. On voit que t'es bien derrière tout le monde. Je vois que t'es bien. Oh, sergent qui ferme la porte. Non, mais même, genre, t'as le graphique avec les positions. Ouais, même quand tu sélectionnes une autre voiture, tu vois bien et tout à gauche, c'est... Non, c'est stylé. C'est clean. Oh, le coup de gaz. Ah, terrible. Mais à l'époque où ils avaient présenté GT Sport, on avait vu une petite vidéo sur la Nordschleife de l'ancien mode spec, qui était déjà très très bien. Ils l'ont complètement refait depuis, je crois, 2 ans. Mais c'est vraiment bien quoi. C'est un super jeu! Avec les bons pneus. Ouais, mais on va s'y faire. De toute façon, on découvre les trucs qu'on fait comme conneries et après on les fera plus quoi. Exactement! Puisqu'il n'y en aura pas que un de live sur GT Sport. Et oui, tous les lundis, mercredi, samedi! Il y a un mec sur Insta, il m'a envoyé un message. Il m'a dit: t'as acheté la Play pour une soirée pour jouer à GT Sport? Ah ouais, mais déjà non, t'as acheté la Play! Putain, mais les gars, alors, non, mais alors, ça aurait pu être possible d'acheter la Play, mais. Mais gros, pas pour un soir! pour un soir, les gars, réfléchissez, putain! PS4 Pro, une heure de live, ouais, dont 45 minutes de setup, ouais, ça vaut le coup, je crois. Putain, les gars, réfléchissez un peu! Attendez. Oh, faut que je t'envoie aussi la pépite que j'ai envoyée à Depielo. Qu'est-ce que c'est? Sur les 25K, sur la monétisation YouTube, attends. Ah oui, il y en a une qui est assez incroyable. Parce qu'en fait, les gens croient avec certaines références sur YouTube que du coup, si on fait tant de vues, on gagne tant, tu vois. Sauf le fameux 1000 vues en euros. Oui, sauf qu'il est extrêmement variable en fonction des vidéos que tu fais. Même le 1000 vues 1 euro, il est pas tout. Ouais, c'est pas tout à fait un 1000 vues pour 1 euro. C'est pas ça exactement. Oh, voilà. Oh putain, la bordure de sale pute. Et au passage, vous avez aussi maintenant sur les applis, enfin moi je l'ai sur smartphone mais pas sur mon PC, les doubles pubs avant des vidéos. Ouais, c'est horrible. Oui, bah, c'est horrible. Je sais pas pour vous, hein, mais personnellement je trouve ça immonde et on ne peut pas choisir en fait. C'est pas le youtubeur qui se dit: hey, je vais en mettre deux pour les faire chier. Non, non, on gagne pas plus de pubs. On n'a pas l'option. Ah ouais, hein. Enfin, non. Ou alors je sais pas, mais. Non, non. C'est YouTube qui décide de mettre des doubles pubs. Ah, oh, alors qu'Hamilton a tapé le mur. Allez. Non. Ah non, il a juste une crevaison, mais il a explosé la jambe. Oh, ça va, il cherche la limite, tranquille. Il essaye de donner un peu d'espoir aux autres. Exactement. C'est pour le show. Non, mais vite fait pour les pubs, pour le coup. Les doubles pubs qu'on a, nous, on gagne pas plus. Hein. Vous matez. Comme nous, on mate deux pubs. En vrai, on sait pas. En vrai, on sait pas. Moi, je les ai pas, mais je les ai pas encore eu, je crois, sur mes. Moi, j'en ai eu sur mon test d'Aceto, et je crois que c'est des vidéos qui font un peu plus de vues, tu sais, à partir d'une certaine, je crois. Certaines. Mais en fait, les doubles, elles sont plus courtes, elles sont pas. Elles sont pas c'est 2 x 5 secondes, je crois, non? 2 x 5 et tu peux pas les passer, tu vois. Ouais, bon. 5 secondes, je pouvais comprendre, tu vois, c'est mais ouais. Pas mal. 2 x 5, c'est un peu con, tu vois. Parce que surtout, tu te dis, tu passes la pub, t'attends. Et là, t'en reprends et une deuxième. Tu dois t'en reprendre une deuxième. Même pour nous, c'est chiant, et pourtant, nous, c'est important. Ça. Mais bon, on n'en est pas encore au point de faire 14 pubs par vidéo de 14 minutes. Non, on n'appelle pas encore Gad Elmaleh à chaque million.
Si on devait donner des chiffres, ce serait 8 pubs pour 40 minutes. Oh, et encore, on ça sert pas de blase. Et encore, c'est petit, je pense. Hein. Vous avez des noms? C'est que gros, je suis retourné. Bah, toi, tu le connais bien en plus. Enfin, tu le connais bien. Dans le Team Racing? Non, dans le YouTube Game. Hein? Mais. Hein, on parle pas de la même personne depuis là. On parle de qui? Deux personnes. Antenne. On réglera ça. Et attendez que les trois lives soient coupés, les deux lives soient coupés, hein, parce que. La boulette. On parle. Non, depuis là, on a pas gagné. Non, j'ai fait un peu le con. Je suis pas dernier en plus de route. J'ai attendu Maxou, j'ai attendu toi, mais t'es jamais venu. J'ai pas roulé, j'ai attendu toi. Oh, il est stylé sous ski. Comment il a fait? Il a le casque. Il y a un mec, il a le casque de Leclerc avec une combi Alpha. Bah, c'est dispo, hein. Moi, j'ai fait Giovinazzi aussi pour une miniature F1 2018. Hein. Mais bon, bah, c'était pas mal. Écoute, moi, on va doucement mettre fin à ce live. Déjà, je vais quitter le lobby, premièrement. Ce fut vraiment fun.